Bon, du coup, on va les tester, parce que là, on a monté la Cast-Off 774U niveau 18. Et du coup, j'ai débloqué, parce que contrairement à ce qu'ils disent, que c'est niveau 14 avec la Vesna que tu débloques la mini-back. Ce qui est faux. Et du coup, on va les tester la mini-back, qui paraît qu'elle est pas mal. Non, en vrai, le SBMM, c'est vrai que c'est un problème dans le jeu. Parce que ça casse des fois un petit peu le fun. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est des défis qui vont à l'encontre du jeu en objectif et des maps pas assez variées. Mais après, bon. Le rechargement, en tout cas, est super stylé. Hein. Bon, bah écoute. Y'a du monde là. Elle a l'air de faire son taf hein, pour le moment. Ok. Ah bah ouais. Merde. Avec toutes ces leurres partout, t'as du mal à t'y retrouver des fois. Hein. Vivement qu'ils fassent un truc. Déjà que tu gagnes plus d'XP parce que les gens n'utilisent pas les leurres pour les leurres, ils utilisent les leurres pour l'XP. Ah oh, putain, quel connard. Ouh. Ouais, je pense que la mire, ça sera peut-être bien. Ouais. Bon bah écoute, de toute façon, c'est en jouant l'objectif qu'on gagne le plus d'XP. Ah, c'est nul! Ah, dommage! Avec le petit turn, c'était mignon quoi, il y avait une petite quad feed sympa. Ah,
Et wesh. Il y avait un truc. Ah, il y avait un quatrième, la petite quad vidéo était sympa. Avec le turn. Il y a une sensation que t'as sur MW2. Peu importe les équipements que tu mets sur l'arme, t'as l'impression que ça change pas toujours grand chose. Vraiment, les armes de base, t'as l'impression que des fois elles sont aussi efficaces qu'une arme full équipée, quoi. Qui de toute façon, les équipements vont pas changer drastiquement. Mis à part pour, on va dire, le temps de visée que tu pourrais avoir sur certaines armes. C'est pas si drastique non plus. Rééquilibrage au niveau des armes à faire, non, je suis pas d'accord en vrai. Les armes, je trouve qu'en règle générale, sont plus ou moins bien équilibrées. Franchement, on a connu pire en termes de lancement de Call of Duty avec des armes qui étaient complètement pétées. Là, ça va, je trouve. Mon avis sur les meilleurs fusils d'assaut. Oh, c'est compliqué là, le jeu vient de sortir il y a pas longtemps. J'ai pas monté toutes les armes, je suis pas apte à pouvoir faire un truc comme ça. Ah, les fusils à pompe, ils pardonnent pas. C'est mieux écran droit ou incurvé? Après c'est comme les gens préfèrent. Moi j'ai un incurvé mais... parce que c'est un écran wide. Oh non! Oh, c'est triste. Mais en vrai, il n'y a pas... c'est suivant les goûts quoi. Mec, il est dans l'antenne le type.
Ah bon, bien ouais, j'ai vu au dernier moment. Il y en a, ils ont des sacrés réflexes, hein, je te le dis. Hein. Le petit jump qui met dedans. Hein. Il était où lui? Il manque qu'ils patchent des flashs aussi parce que bon, les flashs qui te feront vraiment mais mal aux yeux dans la vraie vie, c'est un peu trop quoi. Je veux dire, c'est bien qu'une flash te flash, mais... Oh là 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 là, il y a vraiment des salopes. Mais ça serait bien que l'atout qui protège des flashs te protège des flashs! Pas juste, hein. Vraiment pas juste. Dommage. Je pensais qu'il était là, mais bah du coup c'est toujours le truc, tu dis ah, je vise pour essayer d'avoir le gars, je lâche le viseur pour essayer d'aller à droite, tu sais, et puis tu dis zoom, hein, il arrive. Dommage.
C'est quoi ce délire? Tu vois personne? Voilà, regarde-moi ça, t'as des débiles qui sont à côté du point. Ils le prennent pas. Il faut aller prendre notre point. Et du coup, il n'y a personne qui va le prendre. Et en face, ils vont gagner. Voilà. Dommage. Non, on l'a gagné sérieusement? Putain, elle est belle, hein. Je crois que c'était une collate, elle aurait été trop stylée. Game plutôt intense qui fait plaisir, ça. La petite 50 kills en plus, voilà. Ça régale. Plaisir cette petite victoire, elle fait plaisir.